Alors bonjour les amis investisseurs, je tiens à vous parler aujourd'hui d'un projet que je viens de trouver, un projet qui me paraît sympa, qui est à la mode, c'est un mélange de gaming et de NFT. Le jeu en lui-même c'est le Monopoly, donc tout le monde connaît la règle du jeu, il suffit de lancer des dés. Alors bien sûr pour lancer des dés c'est payant et vous tombez sur certaines cases. Vous pouvez aussi acheter des NFT, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui tombent sur vos cases, vous allez donc gagner de l'argent parce qu'ils devront payer un loyer. Moi, je vais plutôt parler du token, l'investissement sur ce token, car je pense que c'est un projet qui est sympa, qui peut plaire. On ne peut pas savoir à l'avance. En tout cas, j'ai envie de mettre un petit billet dessus. Je vous laisse faire vos recherches, mais je voulais partager avec vous ce projet que je viens de trouver. Allez, on va commencer par regarder le graphique. On voit qu'on a eu un ATH à environ 6,7 et que pour l'instant le prix est tombé à 2,38. En ce qui concerne les holders, on peut voir qu'il y a actuellement 342 holders sur ce projet. Donc c'est vraiment un projet qui débute. Alors le contrat du token, c'est celui-ci que je mettrai bien sûr en description. Le token s'appelle le MNOP. Alors pour pouvoir acheter du MNOP, bah, vous avez la première solution de cliquer sur le bouton Trade, de choisir la façon d'acheter ce token. Vous avez aussi la deuxième façon avec PancakeSwap et en collant directement l'adresse du token dans le champ prévu pour. Il suffit après d'importer le token pour pouvoir l'utiliser et faire un swap directement sur PancakeSwap. Donc je vais utiliser Putcoin pour faire mon achat. Alors on peut vérifier que la transaction est bien passée. Nous avons bien nos 200 dollars qui nous donnent 84,05 MNOP. Nous allons rajouter maintenant le jeton. Voilà, il apparaît ici et il suffit d'ajouter le jeton pour pouvoir les visualiser. Alors maintenant, je vais directement sur le site du projet que je mettrai aussi en description. Vous verrez qu'il y a possibilité d'acheter des NFT pour pouvoir jouer. Vous avez plusieurs packs, des packs qui valent 20 MNOP pour les premiers prix, jusqu'au super pack qui vaut plusieurs BNB et quelques MNOP. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement stacker les MNOP que nous venons d'acheter. Donc il suffit d'aller dans le menu Farm. Vous avez une pool qui s'appelle MNOP. Il va falloir approuver le contrat. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Stake, prendre le max de MNOP que nous avons dans notre wallet et de confirmer la transaction. Et nous allons laisser tranquillement notre paquet de MNOP travaillé pour nous et il va nous ramener des intérêts. Alors il y a sûrement encore quelques bugs car je ne peux pas voir actuellement quelle est l'APR. Il va juste falloir regarder si effectivement les rewards commencent à s'imprimer. Donc on voit tout de suite là qu'on est déjà à 0,001, ce qui veut dire que le farming fonctionne bien. En tout cas, je voulais vous partager ce projet. Faites vraiment vos recherches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.